Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4 Pleased Giraffe. J'ai failli dire Spirited Giraffe. Donc on va se barrer de cette planète. Alors je vais quand même revenir, si possible, your ship. Voilà. Add bookmarks. Fait. Voilà. On va aller se barrer, on va se mettre par exemple sur une des... On est sur la 4. La 5 elle est là, la 5 elle est là. On va se mettre sur la petite désert là. Et donc vous voyez qu'on peut voir le temps, au niveau du temps, donc on va avoir du soleil et de la tempête de sable. Intéressant, donc on y va. The weather. The weather. Wada wada. Wada. Alors, on y va. Va comme le vent en vaisseau. Je vérifie qu'on n'est pas genre un deuxième diamant qui est... Hello. Bonjour. Après une quête, un nom... Incomptable, on peut pas la raconter. Je t'annonce que j'avais bel et bien les deux, que j'ai bel et bien les deux diamants. Voilà, licence classe 1, merci. Voilà, c'est cool. Je vais quand même aller vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui veut me donner une quête. Personne n'a une quête à me proposer. Petite ou grosse, je les avale toutes. Je parle bien sûr des quêtes dans le jeu, hein. Pas des quêtes de mes viewers. Voilà, c'est dit. Hello. Hello. Ok. Beam to ship. Bon. Salut toi. Alors, sail. Upgrade your ship. Deux upgrade modules. C'est quoi des upgrade modules? Oh putain, j'en ai une j'ai une shit chose dans mon... j'ai pas de coffre. Si, je dois avoir des coffres en plus. Ah ah, 24 emplacements. Là, on va le mettre là. Alors, actuellement l'ami, je vais te mettre plein de caca dans la bouche. Voilà. Voilà. Le bois, je le garde. Voilà, déjà ça, bouffe dans tes dents. Alors là-dedans. Attention parce que là-dedans j'en ai une shit saloperie aussi. J'ai pas déjà un coffre où j'ai rangé genre des trucs genre genre des pétales ou un truc comme ça. Pétales bleus, voilà, tiens par exemple. Hop, on essaye un petit peu tout. Voilà. Tout fait vendre pourvu que ça rentre, comme dirait l'autre. Hop. Et ici nous avons des saloperies aussi. Alors, au niveau des armes, on va en virer certaines. Le rocket launcher, je vais le garder. Cette lame là, je vais la virer. J'ai des carottes sur moi, ce qui ne va pas. Pourquoi j'ai des graines ici? Très bizarre cette histoire. Bon, quoi qu'il en soit, on va ranger plus de saloperies là-dedans. Voilà. Plus de bouffe aussi là-dedans. Et les instruments, on ira les ranger ailleurs. Hop. Les instruments, on va les ranger là. On va ranger ça. On va ranger ça. Et pour l'instant, on est plutôt bon. Alors. Upgrade module, j'en ai déjà 3. Bon. Donc, je veux bien te donner 2. Allez, vas-y, boss. Voilà.
Enable wire mode. Merci. Niveau des missions, d'accord, on a que ça. Et là, 3 manipulateurs modules. 3 manipulateurs modules, j'en ai pas 3. Batteur manipulateur. Ah oui, il me faut un diamant. Bon, c'est pas grave. Alors, je récupère ça. Voilà, c'est parfait. Merci. Vous, je vous mets là. Hop. Du coup. Titanium armure. Ah oui, donc il faut qu'on se déplace, chers amis. On est dans un autre système. Et ce système sera pas une gentle, pas une fiery, pas une excentrique, voilà. Et on a ici une aride et ici une ocean. On va commencer par la 1, par la aride. C'est parti. Allons y faire un tour. J'aimerais ranger mon bordel aussi, parce que je suis très moche actuellement. Bon, il reste encore pire maintenant, mais vous ne le savez pas. Voilà. Par contre, c'est classe, là. C'est très très classe, même, je dirais. Bon, pourquoi pas. Ça se passe plutôt bien, malgré tout. Vraiment, il va falloir qu'on fasse du stockage, quelque part, aussi. Il me semble que j'avais des choses à mettre là-dedans, aussi. 3D print. Hop, meuble. Oui, c'est ça. Vous, je vous avais déjà fait. Parfait. Vous, vous êtes infaisable, c'est ça. Toi, pareil. Faudra que je trouve le plan. Toi, pareil. Toi, par contre. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Toi, je te vire. Toi, je t'ai déjà. C'est ce qui me semblait. La table à Viane, je ne l'avais pas. Ça, je n'en avais pas. Je vire l'autre. Ça, je n'en avais pas. Parfait. Ok, on descend, chers amis. Je rappelle que nous sommes à la recherche de titane. Peut-être pas pour cet épisode-là, mais au moins pour l'épisode d'après. Oula, il fait déjà nuit, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la clé? Non, la clé, c'est quand même assez utile. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Hop, puis on va mettre une torche dessus. Alors, allons-y. J'ai pas un lance-roquette, un truc comme ça. Le voilà. Ah ah. Pouf. Assez efficace. Allez, remets tes fesses. Voilà. Bon. Encore un endroit, Viane. Mince. Je vais me faire défoncer. On va passer par l'autre côté, c'est pas grave. Ce qui va être plus facile en plus pour voir le... Bah justement, le totem, l'espèce de totem que j'ai mis là. Alors. Et je grimpe. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est sympa, dis donc. Ça fait une espèce de... Bah oui, comme s'il y avait eu quelqu'un qui était passé, qui avait construit un truc pour pouvoir passer. C'est intéressant. Ouille. Ok, là, il y a une espèce de puits aussi, tiens. Qu'y a-t-il dans le fond du puits? Rien du tout, à part de la bouillasse. Et de la caillasse, c'est cool. Merci les mecs. Ah! Madame. Tu n'aimes pas la lumière? Seriously? Mais crève! Alors ça, c'est peut-être la pire des conneries, la pire des idées que t'aies eues. Floran de merde!
Tu ne m'as rien donné en plus. Ok. Bon. Ouh, je suis intéressant par là. Alors, elle, par contre, elle était un peu stupide sur le coup. Oula. Ah, c'est la pire attaque du monde, ça, chers amis. Elle fait hyper mal. Les attaques de bulles font hyper mal. Je vais vous dire pourquoi. Justement parce que comme ça attaque plusieurs fois très rapidement, c'est comme un tir de shotgun, mais c'est comme de la SMG en fait. C'est exactement ça. Aïe. Fuyez, pauvre fou! Voilà. Il y en a un qui a survécu, mais c'est pas bien grave. What? Alors non seulement ils font hyper mal. Bonjour. Oula, si tu savais d'où est-ce que je viens. De ton anus. Tu ne poserais pas la question. Tu es un Apex, je vais te garder en vie. Enfin, aussi longtemps que tu le pourras, malheureusement, vu là où tu es, ça restera pas longtemps au final. Hein. Je rêve où ça a pété. Non, c'est pas possible. Ah oui, c'est pas possible. C'est ce qui me semblait. Couché. Retourne chez toi. Retourne chez toi, j'ai dit. Elle est venue faire des dégâts quand même. Genre non, j'en ai rien à foutre, quoi. Pourquoi pas? Ça, c'est triste, c'était un Floran. Donc, c'est vraiment pas triste, en fait. Alors, du raisin, ça c'est bon le raisin. Ok. L'endroit est sympa, hein. Il dirait même qu'il est paradisiaque, ce qui est tout à fait vrai. Mais comme je ne dis que la vérité, rien que la vérité. Alors. Jusque-là, ça se passe très très bien. On trouve rien, mais ça se passe très très bien. Ah, justement, nous disions. J'ai pris quelques dégâts, tant pis. Ouais, une rainbow door. Pétain. Trop cool. Tu ne m'attaqueras pas. Il m'a touché. Le salaud. Allez, ça c'est fait. Ça aussi. Trop de talent, chers amis. Oula. Et le biome s'arrêta net. Hop, j'ai failli en crever celui-là, dis donc. J'arrive même à trouver une arme ou deux. Ce serait cool. Un lapin, j'ai vu un lapin. Bon, c'est... Ah non, c'était un canyon, non? Un truc comme ça. Ça me dit quelque chose, cette histoire. Le biome canyon ou je sais pas trop quoi. Il me semble. Hop. Voilà.
dommage. J'aurais pu espérer. Ouais, ça doit être ça, ça doit être une espèce de biome canyon. Hop, on remonte. Regardez ça si c'est pas parfait, chers amis. Oh, tiens, un avian. Bonjour. Elle est géniale, ta maison. Je veux dire, elle correspond à leur mode de vie, quoi. C'est des oiseaux. C'est un nid, littéralement. What? Meurs. What? What? Il s'est défendu, le sac. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Beam down. What? Je préfère. Merci. Bon, j'ai laissé votre ami Lavian en vie. Voulez-vous bien faire de même avec moi, chers amis Avian? Non, j'imagine. Oh putain, je sens que j'ai chié dans la colle avec ce truc. Y'a de l'idée là. Eh ben non, c'est un échec. Bon. Non plus. Génial, j'en ai gaspillé tellement là sur ce coup-là. Alors, on monte. Parfait. Avec beaucoup de difficultés, mais parfait quand même. Oh, oh, oh. La chasse au shotgun, chers amis. Marcus Bonus Presents. Shotgun Hunter 2015. Oh non. J'ai dit que j'allais le faire de manière correcte. Je vais donc le faire de manière correcte. Tant pis. Oh oh. Tu n'as rien vu. Tu n'as vu aucun monstre, aucune personne passer. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Bonjour. Oh, il y avait un boss là. Putain, quand je vois les dégâts qu'il m'a fait, ça me fait mal! Oh, il y a un coffre là en plus. Putain. Wedding dress, mais t'es sérieux? Vous m'offrez la wedding dress? Pour la peine, je la mets. Faites pas chier, je l'aurais mise, chers amis. J'ai raté le boss qui m'aurait sûrement filé une arme en plus. À cause d'un mec comme toi. Ah, dommage, t'aurais fait charger dans l'autre sens, ça aurait été tellement cool. Tiens, bouffe, ça t'apprendra. T'as voulu retenter ta chance une deuxième fois, t'as perdu. Merci d'avoir joué. Non! Putain! Sa mère, la pute! Alors, est-ce qu'on voit qu'on peut faire de, combien qu'on peut faire du titanium bar? 2! Je pense pas qu'on va pouvoir faire une armure avec ça. Titanium hunting bow. Ouais, trop cool! Beam down. Alors. Où allons-nous cette fois-ci? Il y avait un jeu comme ça où dès que t'emmenais un compagnon et te demandait où est-ce qu'on allait.
Oh putain. Ça m'a marqué ça, malheureusement. Alors. Technique de la ligne droite. Peut-être que ça c'est plus friable. Apparemment oui. Aïe. Il y en a partout là ou c'est moi? Ou c'est de l'argent? C'est de l'argent sûrement. C'était de l'argent effectivement. Mais j'aime l'argent, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ah, là, il y en a. Comme quoi, des fois, faut pas chercher trop loin. Oula, est-ce qu'il me reste une pioche? Oh putain, il m'en reste pas. Bon! Hop. 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 J'espère qu'on aura ce qu'il faut pour se faire au moins une armure et peut-être une arme, ça serait cool. Ce serait vraiment cool d'avoir de quoi faire une arme. Il y en a encore une chier. Hein. Donc je pense que de ce côté-là, on est bon. Hein. Hop! Dans la mine! Dans la mine! Encore un épisode qui va s'appeler Dans la mine. Alors. Pas trop par là que je voulais aller, mais c'est pas grave. Du coup, peut-être que je peux peut-être remonter et y aller par le haut comme c'était prévu. Hop. Oh, c'est une activation, c'est un truc à activer. C'est deux trucs à activer. D'accord, là je prends. Ça je prends, chers amis. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je vais le prendre pour la forme. Je doute qu'il soit si efficace que ça. Il fait pas beaucoup plus de dégâts que les autres que j'avais avant. Bon, allons nous crafter cette armure. Donc si vous voulez vraiment un conseil, peut-être qu'avant de faire le tour de la planète sur une nouvelle, sur un nouveau tiers, creusez un tout petit peu pour voir si vous pouvez pas trouver ce qu'il vous faut. Voilà, c'est le conseil du jour. Donc, armure. 1. 2. Et 3. J'ai de quoi faire les deux. Ils font combien? 11, celui-là. 15. Putain, ils font rien en fait niveau dégâts. Ok, c'est pas grave. J'équipe mon armure quand même. Qui va nous rendre un poil plus résistant. Par contre, oui, elle est extrêmement laide. Attention, chers amis. Vaut mieux mettre celle-là. Hop. Ça, je retire. Ça, je retire. Hop. Crac, 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 crac. Voilà. Hop. Une armure en titane, c'était une quête, ça, chers amis. On va aller à l'autre poste la rendre. Hop. Comme ça, ça c'est fait. Oula, je vois qu'on a une quête de disponible, au moins une en tout cas. Be prepared. Hello. Allons voir si on peut pas battre ce mec. Alors, où es-tu? Tu es là.
10 copper bars, mais c'est rien du tout ça. Je crois même que je les ai sur moi. 5 gunpowder, putain, y a plein de quêtes là. Ok. Là, au niveau des quêtes, ça y va, chers amis. Hop. Attends. Bon. Déjà de ce côté-là, quelques petites choses de fait. Donc lui, il t'achète... Ah oui, des copper bars. Bah voilà, il en fallait combien? Parce que j'ai la flemme d'aller les chercher hein, et que j'ai de l'argent. Enfin, vous me direz, j'en ai beaucoup moins vu que je suis mort plein de fois. Heureusement, j'y pense que maintenant. Hop là. Parfait. Bon, bah on va retourner sur le vaisseau, chers amis, et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Et la prochaine fois, je pense qu'on va aller se stuffer un petit peu sur une planète, et tout en essayant de réaliser les quêtes qu'on vient de recevoir. Voilà, salut les gens.